c'est Mathieu Antoine. Voilà. Donc, en parlant en deux mots, je dirais un, l'éducation. Okay, donc l'éducation, donc les valeurs en fait de l'éducation. Et le deuxième mot en fait qui les caractérisait, c'était, je dirais, la rigueur. Okay. Donc il y a la rigueur et l'amour. Pardon, l'amour dans la rigueur, pour être plus précis. Donc les valeurs de l'éducation, pourquoi? Parce que c'était transfert de connaissances. Quelqu'un qui adorait en fait le transfert de connaissances, il poussait tout le monde à aller vers la connaissance parce que c'était pour lui en fait de la richesse là-dessus. Et pour l'amour de la rigueur, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, qui était très ouvert. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par la maison. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont passés par chez lui énormément. Et pour toutes ces personnes-là, il les accueillait avec amour et les élevait avec une certaine rigueur certaine. Et il était intransigeant un peu dans cette rigueur-là. Donc c'est vraiment deux mots en fait, c'est éducation au sens de transmission de connaissances et puis amour avec rigueur. Que prévoit l'organisation? Nous sommes déjà le jeudi 5 janvier 2023. On a commencé avec les consultations. Que nous réserve la suite? Donc, effectivement, on a commencé par les consultations. Donc, on espère qu'au bout de ces consultations, il y aura un maximum de personnes en bonne santé pour passer à la suite. Donc, la suite consistera, bon, comme de coutume, en fait, le repas en fait, qui sera partagé avec le maison, un repas avec le maison, qui sera suivi en fait, de l'implantation en fait, de la coupe. Ici même, vous voyez au milieu de ce centre-là, en début d'après-midi, l'implantation qui devrait avoir lieu autour de 16h. Après cela, en fait, nous allons essayer de partager un repas avec toute la communauté, tout le quartier, en fait, tous ceux qui souhaitent, dans un lieu en fait, qui sera dédié pour cela, afin de, je dirais, de donner un peu à tous en fait à manger, de célébrer un peu cela autour d'un repas. Ça c'est pour la journée en fait. Maintenant sur le vendredi, vous savez comme je l'ai dit, c'est une grande concession en fait ici, et donc il y a eu de nombreux autres défunts en fait dans la concession qui seront eux aussi en fait célébrés en fait autour des funérailles qui auront lieu demain dans la journée. Donc on commencera tout d'abord en fait par le deuil, la fin du deuil en fait des atteintes de la concession, relativement tôt, a priori autour de 9h, et suivra en fait 4 funérailles du membre en fait de la concession sur le vendredi. Comme de coutume, le soir en fait, le soir en fait, on partagera un repas en fait tous ensemble et aussi avec à nouveau l'ensemble des populations, parce qu'on a vraiment souhaité pouvoir partager autant que possible en fait les différents repas qu'on peut avoir avec toutes les populations en fait des quartiers pour pousser le deuil. Ça c'est pour le vendredi. Pour le samedi, donc, ce sera le grand jour. En fait, la célébration en fait, du patriarche, moi de tête, de ma soeur famille, et avec toujours en associant évidemment un maximum de monde en fait, dans cette célébration. Il aimait beaucoup le village. Oui. Très rigoureux. Oui. Je peux dire que j'ai déjà pu le retenir de cette rigueur. J'allais même dire être très méticuleux dans l'organisation et à travers sa magie. Maintenant, concernant le mouet project actuel, ouais. Ses valeurs sont-elles perpétrées? Est-il aussi attaché au village comme le maire ou bien c'est plus de modèle? Bah, je dirais, derrière la notion d'attachement, l'attachement il est là. Je pense que s'il n'y avait pas d'attachement, on ne serait pas là en fait aujourd'hui. Nous ne serons pas tous ensemble en train de faire cette célébration. Ce n'est pas une célébration qu'on fait pour la forme, non. C'est une célébration qui part d'abord du cœur, en fait, là-dessus. Et en fait, si on a pris autant de temps, en fait, pour y arriver, c'est parce qu'il a fallu maturer et essayer de le faire bien dans le cadre du village. Donc, au niveau de l'attachement, je dirais qu'il y a une continuité. Non pas seulement à mon niveau, en tant que moi, Jochette, mais au niveau de toute la famille. C'est-à-dire qu'on est tout le bloc, en fait, que nous représentons, tend à aller encore plus loin que ce qu'il a pu faire. Donc ça c'est la volonté. Maintenant en fait l'approche en ce qui concerne la modernité, c'est pas tout à fait le mot en fait que je dirais.
parce qu'en réalité, les systèmes et les approches que nous avons ici au village sont déjà modernes. Il suffit d'y avoir le bon regard. C'est en fait empli de bon sens. Et en réalité, c'est le monde moderne qui se rapproche. Si vous regardez bien, c'est le monde moderne qui se rapproche en fait des valeurs que nous prenons ici. Donc, il n'y a pas véritablement de modernité dans l'approche humaine. Il y a une continuité et une mise en exergue en fait des valeurs en fait ancestrales qui sont bonnes, qui sont pleines de bon sens. Il n'y a pas vraiment de différence. Bon, pour la simple curiosité, oui. Entendez-vous satisfait de l'encadrement de vos frères, de vos soeurs? Est-ce que c'est comme dans d'autres familles où on fait la face, nous sommes là pour la face, pour sa face, pour moi de son. Si papa revient aujourd'hui, est-ce qu'il serait fier des valeurs d'amour, d'unité, Bon, effectivement, je pense que, en toute franchise, je pense que s'il revient, je pense qu'il serait quand même fier en fait de l'effort qu'il a fait, des valeurs qu'il a inculquées. Donc, je pense qu'au niveau de tous ceux qui ont eu la chance de bénéficier de ces valeurs-là, la transmission a été faite. La transmission, ça, c'est une certitude. Maintenant, comme vous le savez, les individus, dans une famille comme dans toutes les familles, il y a toujours, on va dire, quand on dit qu'il y a toujours des trucs bons, il y a toujours des trucs pas bons, mais c'est aussi ça qui construit une famille. Il faut parfois, en fait, être dans le conflit ou avoir des discussions, en fait, pour forger, pour mieux se comprendre, pour mieux avancer. Donc, c'est positif. Une famille sans rien, c'est difficile. Ça n'existe pas véritablement. La femme globale qu'on a pris. Voilà. Donc, et par contre, ce qui est important, c'est que dans l'absolu, c'est de toujours avancer en fait dans le même sens. Et je pense que nous sommes dans une famille où on avance tous en fait dans le même sens. Donc, nous sommes contents de savoir que les funérailles de maître, c'est comme la famille, c'est dans l'union, c'est main dans la main. Et que nous pensons dans ce sens, nous aurons de belles choses à vivre ici à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. C'est tout ce que nous espérons et on va tout faire pour en fait de là-dessus. Et il ne faut pas non plus oublier que le funérail c'est un début. En fait, en réalité, c'est que je le perçois un peu comme un début en fait de prise de conscience. C'est un renouveau. Et donc ce n'est que le début au niveau de la vie. C'est une étape importante au niveau de la vie familiale. L'après aussi là, on ne va toujours s'efforcer de continuer pour essayer d'en faire plus. L'équipe de Bafoukou serait content samedi au soir de l'événement de recueillir vos impressions pour voir satisfaction. Bon, je reste très positif là-dessus. Je pense que bon, du moins, on va faire de tout notre possible en fait. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent et à ça. Merci. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2020 pour rendre honneur à mon cher époux, c'est Mathieu Ouedjotet Antoine. Et à côté de moi se trouve ma première fille, c'est-à-dire ma soeur et ma fille que mon mari a élevée et qui est aujourd'hui un chef de service au ministère de l'Agriculture. Et si j'appelle ma première fille, c'est parce qu'elle est tout pour moi. Elle est tout pour moi. Et son mari est le premier gendre de mon mari, Monsieur Fejo Letijo Philippe. Donc, avec les enfants, on s'est dit que pour rendre honneur à leurs parents, il faut qu'on essaye de telle sorte que la population se réjouisse, que la population pense aussi qu'ils avaient un fils. Il y a eu des soucis, deux.
C'est pour ça que, après le concours des enfants, on a invité les docteurs, parmi lesquels il y a les membres de famille qui sont déjà docteurs, pour qu'ils viennent faire la consultation. Comme je suis déjà un peu fatigué, je vais laisser que ma première fille parle à mon nom. Bonjour, moi je suis Madame Feuzo José, le fort Kongola de Kumamanka. Donc je suis ici en tant que la première fille, mais comme elle a dit tout à l'heure. Et je me réjouis vraiment de l'honneur que nous faisons à notre père. Papa, tu vas en retourner. C'est un homme qui mérite cet honneur. Il a été un rassembleur dans ce village. Il a été rassembleur même dans sa belle famille. Donc il a été toujours quelqu'un qui était proche de tout le monde. Il se souciait de son prochain. Aujourd'hui, c'est la journée de la santé. Donc nous avons pensé qu'il faut que nous essayions d'aider notre population à savoir son état de santé. L'état de santé, c'est quoi? C'est d'abord l'état, est-ce que tu es à l'hypertension, est-ce que tu as le diabète, est-ce que... Donc il est nécessaire que pour nos mamans du village, nous sachions s'ils sont en santé. Et depuis le matin, comme vous voyez, il y a eu du monde qui est venu ici et ils sont encore présents. Et nous avons l'appui des médecins, des infirmiers, le personnel de santé. Nous leur disons déjà merci pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et nous espérons qu'avec ce travail, nos mamans, nos papas, nos frères, nos soeurs du village vont connaître leur état de santé. Et à la suite, ils vont pouvoir, n'est-ce pas, se faire consulter, continuer les traitements qu'on va les administrer. Il s'agit ici de connaître également les problèmes de vision. Pour les papas qui ont des problèmes de yeux, nous avons prévu des petites lunettes qu'on est aussi en train de mettre à leur disposition. Les papas qui ont les problèmes de tension, on a aussi prévu des problèmes des médicaments qu'on va leur donner. Donc vraiment, nous souhaitons qu'à la suite de cela, les papas et les mamans continuent des traitements auprès des centres de santé du village. Parce que quand une fois qu'on a détecté ta maladie, il faut que tu continues à te soigner. Pour ceux qui sont en santé, il faut qu'eux aussi ils continuent leur hygiène de vie pour maintenir leur santé. Nous disons merci, n'est-ce pas, à nos médecins, nous disons merci à nos frères et sœurs, et nous disons aussi merci à cette population qui est venue. Nous remercions notre papa qui est sur la terre. Les morts ne sont pas morts. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi avec la bénédiction de notre papa, la bénédiction de Dieu et de notre Père qui est aussi. Merci. Pour une journée médicale, nous voudrions que vous nous présentiez un peu votre équipe avec éventuellement des statistiques à l'heure de maintenant. Okay. Déjà, j'essaie de parler un peu de la journée. Mais l'idée de la journée m'est venue il y a pas d'ici mois. Je me suis posé la question de savoir pour les funérailles de mon beau-père. Qu'est-ce qu'on peut offrir à la population? Et le meilleur moyen pour moi d'aider la population, c'était soit une voie médicale ou bien éducative. Mais le plus simple dans l'exécution, en fait, c'était de pouvoir organiser cette journée médicale, des soins médicaux. Donc il a fallu sélectionner des médecins et des infirmiers. À la base, j'ai eu beaucoup de médecins, mais bon, la majorité sont à l'étranger et donc n'ont pas pu faire le traitement la dernière fois. Donc mon équipe est composée de 5 médecins et de 4 infirmiers. Les 5 médecins, 3 sur 5 vivent à l'étranger et 2 sont locaux. Les infirmiers sont tous locaux. Et les premières pathologies auxquelles on a pensé, c'était tout ce qui est hypertension, hyperglycémie, hypoglycémie, les maladies de l'enfance, croissance. Grosso modo, c'était un peu ça. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'on a déjà un bon. On va dire quoi? Une cinquantaine de patients qui ont déjà été consultés. Donc à chaque consultation, dépendamment de la pathologie, on offre des médicaments et un kit. Dans le kit, c'est un kit premier soin, à ma façon. Donc dans le kit, vous allez trouver des sparadraps, du doliprane, toutes les antalgiques en fait, antalgiques sparadraps. Et bon, j'ai fait un clin d'œil aux enfants, j'ai mis des brosses à dents et des pâtes en soin. Donc grosso modo, c'est ça la journée, notre journée d'action. Avant la mobilisation, avec plus de 300 personnes qui ont répondu présent, qu'est-ce que ça vous fait? Satisfaction? Je suis vraiment satisfaite. Je dis merci. Peut mieux faire? Non, je dis merci à mon équipe de communication parce qu'ils ont fait du porte-à-porte avec des microphones.
Donc toute la semaine, on a fait du porte à porte, on allait dans les marchés, dans les associations, même dans les églises pour essayer de ramener la population. Et je suis très contente. Ils étaient là depuis 6 ans. On a été surpris par leur présence, si vous voulez, parce qu'on avait demandé aux gens de venir à partir de 8h30. Quand on a ouvert le portail à 6h, ils étaient déjà là. Donc on est très contents. On est très contents de ce que les choses se passent. La curiosité nous pousse à vous demander le budget. On va taire le budget. Véritablement, grand homme. Je l'ai connu, j'étais une petite adolescente et il m'a donné beaucoup de conseils et c'est quelqu'un qui a même grand cœur. Donc franchement, qui a toujours aidé sa population et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer, pour ce jour-là, honorer en fait. Hein. L'honorer et je pense que ça l'honore. Là, de là où il est content. Ne nous dites pas que vous étiez déjà tenté, étant adolescente, d'entrer dans la famille avant d'y entrer plus tard. Mon mari et moi, on s'est rencontrés très tôt. Donc, voilà. Ok. On s'est rencontrés très tôt, donc je connais la famille. C'est comme ma deuxième famille. On était des adolescents, on a vécu notre adolescence, notre mariage et on vit notre vie d'adulte avec nos enfants. Beaucoup de courage. Merci. On va se revoir plus tard pour faire ça. Ok. Au plaisir. Merci. Merci. Des grandes cérémonies d'ouverture qu'il fasse de Paris. Et en retour, je te dis que voilà, ils sont là, ils sont tellement nombreux, mais j'ai préféré, comme tu te dis toujours, le peu qu'il y a, ils peuvent donc alors, tu peux t'adresser à eux, pour qu'ils transmettent aux autres. Gracias.
un Kangazé, oh 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 yo, oh la gomme, oh un Kangazé, oh la gomme, merci à tous d'être venus pour le début de cette cérémonie. Vraiment, merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on se retrouve tous encore ici, samedi, pour continuer, sachant que le chef sera là à peu près à 10h. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et rendez-vous samedi, 10h. Merci. Merci à tous. Nous sommes déjà vers la fin de la journée de vendredi et tout se passe dans les normes. Mon beau-fils, disons, Yves, je ne sais même pas là où il se trouve, il nous a déjà tellement encouragés. Nous sommes très heureux d'être à Tchang, venant de Pafan Bakou. D'ici demain, on verra la suite. Et j'espère que ça se passera dans les
bonnes conditions. J'en ai terminé. Mais je ne peux pas dire le contraire. Moi, je ne ferai dire que ce qui est réel, ça se passe dans les bonnes conditions. Et ce sont mes souhaits. Bonjour à Yves. Le père là, mon père là, on a pas l'ombrage. Voilà. Par rapport à cette cérémonie, nous sommes ici en Zincop. Zincop, c'est un grand quartier. Nous sommes ici là, tout près là, à la chefferie là-dessus. Le funérail là se passe. À côté chez Finesse la chute et aujourd'hui. Mais moi-même en personnel, tout se passe bien dans chaque maison, dans chaque enfant de la concession, il reçoit bien. Même sur la cour, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Bon, je ne peux pas beaucoup parler, mais je sollicite, que je précise et puis je remercie que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Et pour le, aujourd'hui pour le vendredi, pour les enfants, pour les mères, pour les mamans. Et demain, ça sera pour le père. Et que ça continue et plus bien, que Dieu bénit. Et que ça continue grandement jusqu'à ce qu'on se retrouve ici dimanche matin, que tout le monde rentre bien. Les pauvres sont hors en route comme ils sont venus. Donc, ça que je peux dire. Merci. D'abord, à tous les gens, à votre zone, commandant. Oh, no.
À déverser sur la veuve, les enfants et toute la famille. Seigneur, nous allons prendre ce repas avec action de grâce. Bénis les mains qui ont apprêté ce repas. Bénis les personnes qui ont apporté la nourriture du champ jusqu'au marché. Bénis les bourges qui ont pourvu à cette nourriture. Bénis encore les gens qui vont prendre cette nourriture avec action de grâce. Que cette nourriture dans nos corps se transforme en médicaments. Merci Père. Faites en sorte que nous ne passions jamais indifférents devant quelqu'un qui a faim. Nous te disons merci au précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Thank you.
Oh,
C'est tout simplement extraordinaire.
La famille Peugeot de Foncamezo est aussi annoncée et devrait certainement suivre celle de Yves. La belle famille de Yves qui fait sa descente. Eric, oui. Je comprends pourquoi cette journée médicale, on ne voulait pas rater, on ne voulait pas d'absence. Tu ne penses pas? Avec une dizaine de médecins spécialistes et beaucoup d'infirmiers, ils ont consulté plus de 500 personnes sur cette cour jeudi passé. Plus de 500 personnes. Tata, un père à nos jours, mais le Mbapo, un père famille d'Achoa, et puis ils sont avec Saint-Yves. Et le petit roi, elle en sort que mon Yves a pour avoir fait bien ta son au moins du comparant. Et puis bien nous sommes les gens. Oh,
cérémonie de Sa Majesté François Mota. Ah, ça c'est très cool. La famille Eclair, qui va faire sa descente, elles sont... Eric. Oui, Marco, qui n'a cessé de travailler dans les coulisses. Avec Rosa Mungum, lui-même. C'est l'occasion d'apprécier l'amour que les enfants, Mme Tchotche et Rosa Mungum ont perpétré après leurs parents. Deux ans après, c'est formidable. Je vois que toute la famille de Sa Majesté de Rosa Mungum ne va pas le monde. Nous souhaitons une très bonne arrivée à la famille Eclair pour un bien éducatif. Et il faut dire que c'est une chance pour la famille Mouret-Chouquet d'avoir pour belle famille la famille Eclair. Et nous voulons prier les dieux de cette concession, les dieux de ce village, d'accorder à la descendance Mouret-Chouquet toute la grande prospérité. Bien évidemment, des grands professeurs, qu'il y ait beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité, beaucoup de... Puisque Sa Majesté le roi de Bafou est déjà annoncé. Précisons que... Il s'agit Thank you.
Je suis
Que l'on ramenait devant le chef.
Aujourd'hui, symboliquement, les guerres étant terminées, les capitaines portent à leur épaule le couvert qui représente la croix, qui représente le cimetière amené de la guerre. Oh, yeah.
Très heureux d'assister Jean-Félix pour les funérailles de son père. C'est un honneur pour Tontine Premier, qui est représenté par ses membres ici présents, d'accompagner Jean-Félix, qui est notre frère, qui est notre ami d'abord, notre frère ensuite, et qui représente énormément pour nous. Et nous sommes venus des quatre coins du monde pour lui montrer notre soutien. Jean-Félix, nous serons toujours derrière toi et nous honorons en ce jour la mémoire de ton père. Donc au nom de Tontine Premier, nous vous remercions. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Cet événement qui se déroule déjà très bien et un hommage mérité qu'ils sont en train de rendre à notre grand-père. Vraiment, je tire un coup de chapeau à la famille, à toute la grande famille Ouetchet, à son cheval de bataille qui est Alain Fématou. Et je remercie grandement aussi la représentation du commandant Kanda qui était l'aîné de cette famille Ngouet. Je dis encore merci au commandant Kana, qu'on appelle chaleureusement, affectueusement D.
remercie pour tous les efforts consentis à la réussite de ces événements. Thank you.
écoutez. Dites une fois. C'est bon.
Dédé.